C'est un travail extraordinaire, remarquable. Et je crois que beaucoup dans la salle l'ont apporté aussi, parce que on a parlé des tirailleurs sénégalais. Je me suis documenté. Hein. Alors, je crois qu'il venait de partout en Afrique, au sud d'avant, Afrique équatoriale. Donc, dans notre histoire, l'histoire qui est enseignée sur les manuels de l'école primaire, il y avait un nom, Tchoubéry. On l'appelait le capitaine Tchoubéry. Donc, il est mort pour la France. Il était même capitaine déjà à l'époque. Donc, il est mort pour la France au combat. Donc, je crois que je suis peut-être son petit-fils. Donc, venez me voir. Moi aussi, je veux qu'il soit reconnu comme français. Peut-être pas moi, mais surtout lui. Il en a besoin, peut-être, même s'il n'existe pas, il est mort au combat, mais pour la mémoire. Donc n'hésitez pas. Ce que je veux dire par là, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui savent des choses, n'hésitez pas à discuter ou donner des informations à ces personnes qui font un travail remarquable. Donc je demande encore d'applaudir pour cette dame. Pour la suite, nous allons donner la parole à M. Madi Hassani. Alors, il est historien anthropologue. Alors, je crois qu'il fait des recherches sur les tirailleurs comoriens. Si je me trompe, ben, vous pouvez rectifier ou donner plus de détails. C'est ça. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Bonsoir. Alors, j'ai parlé en arabe aussi. Et je vais expliquer à la fin pourquoi. Je remercie d'abord à Madame Johanna et toute la collectivité ou le collectif qui m'ont invité à venir ici. Je viens de Nice. Je suis en deuxième année d'anthropologie. Actuellement, je travaille sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec les tirailleurs. Mais je suis diplômé de Master 2 en histoire. Donc, je vais travailler en Master 1 et en Master 2 sur les tirailleurs comoriens. C'est pour cela que je suis ici. Et je ne suis pas évolué un peu plus pour des conditions dont peut-être je peux citer à la fin, conditions de moyens et d'encadrement. Et je profite aussi ici de lancer un appel, parce que nous avons un mouvement d'étudiants africains ici en France, justement pour se battre à ce qu'il y ait, comment on appelle ça, le système Erasmus francophone. Parce que nous pensons que tous les étudiants francophones méritent aussi un accueil comme tous les Européens ici en France. Et peut-être tout le monde sait pourquoi cela. Je ne vais pas aussi faire mon exposition que je l'ai préparée parce que j'ai un train à 19h30. Et si vous voulez, j'y suis presque en retard. Je vais juste parler quelques mots par rapport à ce que l'a dit tout à l'heure la dame, le tirailleur. Souvent, quand on parle du tirailleur, on parle des armes et de ce qu'ils ont fait ici en France et de ce qu'ils ont arrêté pendant la guerre. On oublie exactement qui est-il, ce tirailleur-là, ce soldat. Il était quoi avant de venir en France? Est-ce qu'il savait exactement c'est quoi la France? Ça veut parler la langue française. Il savait de quoi il s'agit, la culture française. Moi, ce que je vais dire par là, 99% des tirailleurs comoriens, ils savaient ni parler, ni écrire la langue française. En tout cas, ils ont eu le courage de venir jusqu'en France, apprendre cette langue, prendre les armes et se battre pour défendre ce pays. Je pense que ces hommes, il mérite beaucoup plus. C'est pourquoi je salue cette volonté de se servir de la mémoire ou du mémoire pour rassembler les gens. Beaucoup s'en sert aussi pour diviser, pour semer la bagaille. Je ne veux pas citer. Je vais finir, comme je l'ai dit, je ne veux pas rester longtemps, comme je veux partir. Ce mois de mai, je vais profiter aussi de citer pour d'autres choses. Aujourd'hui, nous commençons le mois du Ramadan. Le mois de Ramadan, moi je vais citer par exemple 1997. 1917. Le mois de Ramadan a commencé le 15 juin
jusqu'au 16 juillet. Imaginez les musulmans qui étaient dans les fronts, dans les champs de bataille, très courageux, qui ont décidé de jeûner, faire le ramadan en pleine guerre, sans manger. Je trouve que c'est là aussi, au-delà de ce que tout le monde cite depuis le matin jusqu'à aujourd'hui, de la bravoure, du courage. Mais il y a aussi un engagement très fort. C'est pourquoi j'ai commencé ici à dire salam alaykoum, pour rendre hommage à ces soldats musulmans qui n'ont pas baissé leurs mains, les armes, parce que c'était le ramadan, parce que c'était un mois béni, parce qu'il ne faut pas manger pendant 17h ou 18h, mais qui ont continué le combat parce qu'ils ont cru. Ils ont cru à ce qu'ils faisaient, ils ont cru à ce qu'ils voulaient défendre. Et c'est pour cela que j'ai voulu commencer par cela, en hommage à ces hommes. Je veux m'arrêter. J'avais préparé une exposition avec des photos et tout. Et comme je vis le temps passer rapidement, j'ai dit, je viens saluer déjà le courage, rendre hommage à ces hommes, et comme je suis présent, aussi saluer la collectivité et Madame la Présidente qui m'a fait cet honneur d'être là parmi tout le monde ici présent. Je vous remercie. Pour la suite, nous allons donner la parole à Madame Armelle Maman.